Eh bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler des défis qui viennent de sortir à l'instant aujourd'hui, jeudi 12 décembre. Les défis suppléments, donc mission supplément. Il faudra pour ces défis là faire plein de choses différentes et ils sont assez durs, je vais pas vous mentir. Mais aujourd'hui je vais vous montrer en gros en quoi consiste celui-ci, donc devenir un spécialiste des fusils à pompe ou fusils d'assaut en infligeant des dégâts au fusil à pompe ou au fusil d'assaut. Donc je vais mettre l'aide de groupe malgré que je vais jouer tout seul. Je vais aller en foire d'empoigne les gars, je vais vous montrer en quoi ça consiste. C'est parti, je vais vous montrer ça sur la carte. Les gars, je vous accueille chez moi, entre guillemets, hein, puisque maintenant, regardez, j'ai une petite maison pain d'épices ici qui vient parfaitement avec mon skin. Et je vous montre en gros, pour ce défi, donc spécialiste des fusils à pompe ou des fusils d'assaut, eh bien j'ai ce qu'il faut. J'ai un fusil d'assaut, j'ai un fusil à pompe, et il faudra pour ça donc aller faire des dégâts et valider vos kills. C'est-à-dire, normalement, c'est 10 kills. Et vous allez avoir, en plus, vous savez, les médailles, quand vous obtenez, par exemple, 2 kills, 6 kills, 10 kills, 12 kills, etc. Eh bien, vous allez obtenir vos médailles, ce qui va, en plus, confirmer que vous êtes devenu spécialiste de, justement, ce genre de kill-là. Donc, je vais essayer de me rapprocher des ennemis et je vais vous montrer de quoi il s'agit. C'est parti. Vous avez vu les gars, donc 250 points de dégâts au fusil d'assaut, ça fait de moi un spécialiste. Alors il faut faire ça 10 fois, donc normalement vous êtes censé faire ça en 10 parties différentes si tout se passe bien. Là du coup j'ai fait une première fois au fusil d'assaut, donc ce qui est normal c'est de switcher normalement au fusil à pompe et voir si ça marche pour en faire 2 par partie. Ou alors pareil au petit pistolet. Donc là du coup je vais tuer au fusil à pompe, normalement je vais devenir aussi spécialiste des fusils à pompe dans quelques instants, et à ce moment là ça me validera peut-être 2 lignes sur 10 de ces défis suppléments qui sont demandés depuis 14h tout simplement. Donc là on va aller là-bas, je vais essayer d'aller au fusil assaut quand même, on va pas se mentir. Hop, donc là encore quelques dégâts. Maintenant je vais essayer aux pompes, si jamais il y a quelqu'un qui se rapproche de moi avec mon PV mon PV de guerrier là, je sais pas comment je vais faire ça mais je vais sûrement mourir. Hop. En tout cas, je vous retrouve si jamais je fais un kill aux pompes pour vous montrer si ça marche. Voilà les gars, alors j'ai pas réussi à faire assez de points avec le fusil à pompe pour avoir la deuxième médaille de spécialiste de fusil à pompe. Mais vous avez vu que du coup, spécialiste de fusil d'assaut, ça a marché. C'est 250 points de dégâts par tranche de spécialiste, si je puis dire. Donc du coup, vous allez devoir infliger pour 10 un total de 2500 points de dégâts en plusieurs parties tout simplement. Avec vos fusils d'assaut, pompes, pistolets, pistolets mitrailleurs, snipers et trucs explosifs. Donc voilà les gars la petite aide que j'avais à vous apporter, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre le code créateur Telmo-Lopez. Mais surtout de rester zen, je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.